Écoute, c'était super bon, j'ai été super bien. J'ai bien été reçue sans problème. Ils m'ont fait un masque, un massage du dos, enfin tout le bazar. Non, non, c'était vraiment super. Mais le mojito, non, j'ai pas vu ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas pour ça que j'y allais. Et je te promets que le jeune, il m'a vraiment bien coiffé. Comme me dit le titre, je suis jamais contente quand je chante chez le coiffeur. Mais là, je peux pas le dire parce que et la coupe et la couleur me plaisent énormément. Ouais, vraiment, je suis trop contente. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finaise, mettre un flash comme ça sur ma tête à 9h du matin pour que mon téléphone s'éclaire, c'est incroyable. Nous sommes en voiture, j'ai pas fait trop de story hier soir. On est arrivé, hier soir on a fait que de la route, on a mangé de la route. Le problème c'est que les routes sont comme ça. Là il est 9h du matin. Il n'y a qu'une route qui longe toute l'Islande et elle est toute droite. Et du coup, voilà, elle est glacée. Donc, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Sachant qu'on n'est pas quand même des conducteurs de route glacée. C'est pas notre métier. Genre, on n'a pas grandi là-dedans. Hein. Dans le sud, il n'y avait pas vraiment. Et à Dubaï, risque pas. Donc, c'est vrai qu'on est très prudent. Même sur le béton, t'as dit. Mon amour. Tu conduis bien, mon amour. Non, tu conduis très bien dans la neige. Non, mais tu conduis. Non, mais dans le béton, je suis pas mon conducteur. Tu veux que le dire que je conduis mal? Oui, c'est pas top, mais tu te débrouilles bien dans la neige. Okay. J'ai un peu conduit, moi aussi, on s'est remplacé, mais on a fait beaucoup de routières. Beaucoup, beaucoup. Là, le soleil n'est pas encore levé. On va à notre activité. On se régale. C'est vrai que j'ai pas trop parlé, j'ai pas fait trop de stories où je vous racontais ma life parce que, ben, comme on était que en voiture, c'est par contre de conduire pendant genre 5 heures avec une route droite comme ça. La même, hein. Voilà, c'est la même route pendant 5 heures. Toujours tout droit, sans embranchement, sans rien, tout. C'est très très long. C'est mieux quand il y a des maisons, des villages, des ronds-points, des trucs. J'avoue que là, c'est quand même. Encore si la route n'était pas enneigée, ben, on pourrait rouler vite. Là, le truc, c'est qu'on est. C'est limité à 90, on roule à 60, 70, puisque, ben, comme je vous dis, on n'est pas des grands conducteurs. Donc, du coup, carrément, le GPS nous donne du temps et on prend plus de temps que le temps. Voilà, donné par le GPS. Alors, d'habitude, ça arrive pas. Soit on gagne une minute ou deux, soit on arrive à temps, mais on perd pas du temps. Voilà, bref, on vous emmène avec nous pour cette journée incroyable. C'est des activités qui vont être juste de ouf. Vraiment, on est content. Allez, nous voilà équipés. On a la petite machette pour s'accrocher avec les petits trucs des pieds. Et on va aller grimper dans les glaciers et tout. Non, mais c'est trop bien! Les gars, on va rentrer là-dedans, dans la glace, dans la grotte. Contour des yeux. Pourquoi mon téléphone est flou comme ça? Oh là là, ça me fait trop du bien de bien m'hydrater. Vous savez pourquoi? Parce que ici, j'ai mis trop de crème. J'ai voulu mettre la crème avec vous et vous donner un code promo. La prochaine fois, je fais sans vous. La vérité, je me débrouille mieux. Qu'est-ce que je fais avec ce téléphone? Ah, c'est bon. Bref, je n'effacerai pas cette story. Punaise, je crois que j'ai pas que l'œil hydraté avec la crème de yeux. J'ai tout le visage. Oh là là. Eh ben punaise. J'ai mis de la crème contour des yeux pour 3 personnes. Bref, je vous mets mon code promo Gilor. Heureusement que la crème des yeux elle pique pas. T'imagines dans l'état que je serais. Je vous mets.